Cześć, mam na imię Ismena. Moda i dziennikarstwo to moje dwie największe pasje, które zaprowadziły mnie niedawno do Galerii Mokotów. To tu znajduje się The Designer Gallery, przestrzeń, w której spotykają się światowe marki i polscy projektanci, a moda łączy się ze sztuką. To jeszcze nie koniec The Look Inside. Przygotowaliśmy dla Was odcinek specjalny. Zapraszam na wyjątkowe spotkanie z ikoną świata zapachów, nosem domu mody Dior, François Demachy. Jak zaczęła się Pana przygoda z perfumami? Jak odkrył Pan swój talent? Comment tout a commencé? Je dirais que c'est presque, c'est pas presque d'ailleurs, c'est par chance. C'est-à-dire que je suis d'abord né à Grasse, ou tout à côté de Grasse, donc bien évidemment, Grasse étant toujours la capitale du parfum, ça aide. Et ensuite, j'ai travaillé dans les usines parce que au début, je ne voulais pas vraiment faire ça. Je n'avais pas cette vocation. Mais j'ai dû, pour pouvoir payer mes études de médecine, j'ai dû travailler dans une usine de parfum. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le parfum. Grasse, to miasto rodzinne Christiana Diora, więc to chyba nie jest przypadek, że trafił pan do tej branży. Alors, Monsieur Christian Dior n'est pas né à Grasse, mais il est venu dans la région à côté de Grasse, à une vingtaine de kilomètres de Grasse, même pas. Il est resté pendant la guerre, parce que c'était plus facile à la campagne. Et puis il est surtout revenu, il a acheté une maison qu'il a transformée, qui s'appelle La Colle Noire. Juste à côté, à 15 km de Grasse. Et c'est là qu'il a vraiment habité la région, j'allais dire. C'était la maison qu'il a transformée en château, et petit à petit, et qu'il voulait, c'était l'endroit où il voulait se retirer. Et son histoire, à dire, voulait se prolonger à Grasse. Mais il a fait des plantes à parfum pendant la guerre, et puis il avait rencontré un grand parfumeur qui s'appelait Monsieur Rudinska pour pouvoir travailler sur ses parfums. Donc ça, c'était dans les années 47-48. Voilà. Jaki jest według Pana najpiękniejszy zapach na świecie? Le plus beau parfum d'Europe, c'est difficile de répondre à ça parce que le parfum, c'est quelque chose de vivant et on change. Mais je dirais en parfum masculin, pour moi, le plus beau parfum, autant en termes de technique, en termes d'innovation, en termes de création, pour moi, c'est L'Eau Sauvage. Parce que ça a réellement révolutionné la parfumerie masculine au début. A gdyby miał pan wybrać jedną nutę, jeden akord, który według pana jest najpiękniejszy, nie wiem, albo związana jest z nim jakaś ciekawa historia, którą pan zapamiętał? En termes d'ingrédients, de matière, je dirais le patchouli. Parce que pour moi, le patchouli, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord parce que ça peut être aussi bien masculin que féminin. Et puis c'est une matière qui, lorsque vous en mettez, vous pouvez en mettre beaucoup ou très très peu, mais que vous en mettiez beaucoup ou très peu, suivant les parfums, ça a une action importante. Ça vous change le parfum, à la fois par sa propre odeur, mais aussi c'est un peu comme un, ce qu'on pourrait dire en cuisine, un liant. C'est-à-dire que ça permet à toutes les matières de bien se mélanger. Et c'est un ingrédient capital pour la parfumerie, en tout cas pour moi. Voilà. A czy pamięta pan zapach, który stworzył pan jako pierwszy? Oui, alors ça dépend ce qu'on appelle parfum. Le premier parfum, la première étude sur laquelle j'ai travaillé, je m'en rappelle très bien parce que vous savez, je travaillais à Grasse, j'étais dans une usine de parfums, et vous travaillez toutes sortes
de parfum. Vous répondez à des demandes. Et moi, c'était une demande qui était que les autres maîtres parfumeurs considéraient pas très intéressante. Donc il faisait faire ça aux petits stagiaires que j'étais. Et c'était un parfum qui était destiné, plutôt un arôme d'ailleurs, qui était destiné à parfumer le foin pour donner de l'appétit aux animaux. Donc j'avais beaucoup travaillé et j'avais lu, je me rappelle, j'avais lu des informations et j'avais appris que les vaches aimaient beaucoup le réglisse. Donc j'avais fait un parfum au réglisse. Voilà, mais c'est pas un vrai parfum, mais c'était la première étude. Après, le premier parfum que j'ai vendu, c'était un parfum qui existe toujours, mais plus beaucoup, qui s'appelle Diva d'Angaro. Jak w skrócie, osobie, która nie ma zielonego pojęcia o tworzeniu zapachów, opisałby pan cały proces? Comment on crée un parfum? Mais on part bien sûr d'une idée. Mais cette idée peut être provoquée par n'importe quelle sensation que l'on peut avoir. Ça veut dire, ça vient peut-être d'une rencontre, ça vient peut-être d'une image, d'une musique, d'une sensation. Donc il y a plusieurs sources comme ça. Et ça peut venir à n'importe quel moment, déjà, aussi. Et après, on essaie de construire, à partir de cette impulsion, on essaie de construire le parfum. Souvent, on travaille à partir d'accords, c'est-à-dire des mélanges qui sont déjà faits de quelques matières premières que l'on a déjà réalisées, parce que ça correspond à un souvenir ou à une évocation. Etc. Et puis on construit. On a une idée assez précise, on a un fil rouge. Le problème, c'est que souvent, l'idée que l'on a ne correspond pas à ce qu'on réalise. Donc, pour que ça se rapproche le plus possible de l'idée, on fait beaucoup d'essais. Un parfum, c'est... Alors, ça dépend des parfumeurs, ça dépend des parfums, mais... C'est couramment, moi j'ai jamais fait un parfum moins d'une cinquantaine d'essais. Parce que vous étudiez déjà plusieurs directions en même temps, pour éviter à la fois d'être saturé et parce que vous n'êtes jamais sûr. Ce qui nous fait avancer, nous, c'est le doute. On doute toujours, on n'est pas sûr. Donc on travaille plusieurs directions en même temps. Donc tout ça, ça fait de nombreux essais. Mais une formule de parfum, parce qu'on travaille sur les formules, qui sont un peu comme des recettes de cuisine. Et une formule, ça peut comporter 50, une centaine d'ingrédients, parfois moins. Il n'y a pas de règle. Który zatem moment uważa pan za najważniejszy w procesie tworzenia perfum? Le moment le plus difficile pour moi, c'est de savoir arrêter. Parce que je ne sais pas arrêter. C'est très difficile pour moi de dire voilà, je l'ai fait, ok, c'est bon, c'est fini. Ça, j'y arrive pas. Donc le moment clé pour moi, c'est ça. Et heureusement qu'il y a des gens autour de moi qui m'aident beaucoup et qui me disent bon, c'est bon, ça va. Jak żyje się panu z takim talentem, z taką czułością na zapachy? Jak to wpływa na pana życie? Oui, forcément, mais vous savez, comme dans toute chose, c'est jamais que dans un seul sens. C'est aussi un échange, c'est-à-dire que pour faire des parfums, moi j'ai besoin d'être nourri, comme je disais. Donc pour pouvoir être nourri, il faut que j'ai un maximum de sensations. Pour ça, il faut aussi un peu les provoquer, c'est-à-dire il faut être curieux. Il faut aimer voyager, rencontrer, échanger, voir des galeries, voir des expositions, voir des spectacles. Ça ne marche pas à tous les coups, mais chaque fois, on retient des choses.
Et après, mon métier, c'est juste de ressortir tout ce qu'on a, on a pris, on a capté, de le ressortir en impression olfactive. Donc ça, c'est, ça s'apprend, mais surtout, ça s'entretient. Parce que c'est jamais quelque chose que vous possédez. Si vous ne le cultivez pas, si vous ne vous entraînez pas, petit à petit, ça disparaît. Donc on a besoin constamment d'être sollicité, d'être aiguillonné, comme ça, d'être poussé. Sinon, si on est trop tranquille, ça va pas. Parce que la vie est belle, hein, finalement, donc ça va. Quoi. To była ogromna przyjemność poznać pana osobiście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Merci. O tym, jak wielki to talent, możecie przekonać się odwiedzając pierwszy w Polsce urodowy butik marki Dior. A my być może jeszcze się spotkamy. Dziękuję za to, że byliście z nami.